habit te fin trouvé. Te fin laisse-moi te fin aller. Depuis qui te fin aller, ça me te fin tourné. Pour ne comment moi peux vivre, si moi moi peux souffrir. Les temps qui te fin aller, mon téléphone toi tu n'as pas répondu. Te fin fini, mette-moi d'écouter. Les dents qui te finalent, mon téléphone, toi, tu n'as pas répondu. Te fin fini, choisir de s'y mettre. Hey, hey. Laisse-moi, laisse-moi tranquille là. Laisse-moi vivre mon la vie, n'a pas d'irrance, moi, toi. Laisse-moi, laisse-moi tranquille là. Laisse-moi vivre mon la vie dans sincérité. Les temps, moi, mon petit peu souffrir. Toi, tu n'as pas dit là, ou apaise mon douleur. Te fin brise mon liqueur, et laisse-moi tout seul. Avec un goût amer, sans rien peindre, c'est dissel. Les dents qui te finalent, mon téléphone, toi, tu n'as pas répondu. Te fin fini, mette-moi d'écouter. Les dents qui te finalent, mon téléphone, toi, tu n'as pas répondu. Te fin fini, choisir de s'y mettre. Hey, chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans Gloire d'Antan, Zodi. Attention, l'émission, les pouces spéciales, les pouces surprises. Qui fait parce qu'ils l'ont invité du jour, pas connu, qui nous fait les tours Côte-Li pour nous faire l'île Maurice à découvrir. Monsieur, le nom du zoo des affaires, Jean-François Internet, connu sous le nom aussi de GFly. Il quitte l'île Maurice en 1979 pour y aller vivre en France. Il évolue là-bas musicalement. En 1989, il gagne la compétition à Paris qui appelle Whisky Peu, bien sûr. Et après ça, il gagne fait de nombreuses scènes, même les plus grandes salles de Paris, entre autres le Zénith. Il fait aussi la première partie de Johnny Hallyday avec son coffret de Niazo. Enfin, un bel parcours qui est très riche. Il y a Maurice actuellement, bien sûr, pour des beaux projets qui me plaisent. Il me raconte tout avec son fils Tay, bien sûr, qui me fait ce tube en ce moment qu'on entend souvent à la radio. Perdu le Caire en featuring avec Cynthia Mirali. Mais surtout ce soir, nous parlons à la rencontre de Jean-François Internet pour la découverte de ce parcours et rappeler la plus belle bon souvenir, l'île Maurice. Suivez-moi. Salut, ça va? Oui. Merci. T'es comme chez toi. Merci. Je t'en prie. Laisse-moi vivre mon avis dans ces idées. Laisse-moi, laisse-moi tranquille là. Laisse-moi vivre mon avis. T'as pas dit ronce-moi toi. Laisse-moi, laisse-moi tranquille là. Laisse-moi vivre mon avis dans ces idées. Alors, comment se trouvait Maurice dans le salon de Jean-François, une jolie déco avec beaucoup de fleurs et surprise, mais il accueille nous avec un grand sourire au visage. Mais le plaisir d'accueillir sur le plateau à mes côtés, bien sûr, Jean-François. Jean-François, ça va? Ça va et toi? Mon mari est content, bien sûr, qu'il t'en a accepté, même si il nous débarque un coup de côte, toi. Ben, même moi, j'étais surpris de vous voir ce matin. Auteur, compositeur, interprète, musicien, mais peut-être là nous fait un petit retour dans le passé et nous rappeler un peu comment tout ça a commencé pour toi. Oui, je commence ma carrière avec la guitare. Je vais jouer, mettre la go, pas fait qu'on mette la go, mettre la go n'importe où. Et après, quand je quitte Maurice, je suis arrivé en France, je suis chanter. Et là, je suis un petit groupe, je commence à chanter et je commence à faire batterie, je apprendre à faire batterie. Et dans ce groupe-là, je suis allé à la batterie. Et de là, je commencé à jouer, je m'accompagne à l'artiste là-bas, à Bourgien. Et finalement, après, j'ai envie de chanter moi-même. Et voilà, après, je commence à chanter, je commence à faire des affaires par rapport à ce groupe qui nous commençait pour un petit groupe Bourgien en France. Et comment tu démarrais vraiment en France avec le SEGA? Au fait, quand nous gagnons ça, enfin, mon danseuse avec moi qui vient vers moi, il dit moi de Jeff, tu connais, nous
nous gagnons plan, la première chaîne de en France, et un concours, oui, ce qu'il peut, est-ce qu'il est d'accord pour passer dans le modèle libéré. Ça, c'est un envoi de Dieu. Nous allons, nous passons un cours, nous connaissons, nous pour tomber pour mes courriers. Et pour lui, au moins, nous faisons une télévision française, c'est un plaisir. Après, nous sommes d'accord, nous allons dans sa émission-là. Et premier, au fait, c'est la scène, en bas, tu joues, tu fais des spectacles. Et si du monde compte en toi, la scène a monté. Mais il y a public en face, hein, public dans la salle et tout. Je te lève, je tosse. Et par rapport à plus beaucoup tosse, la lumière levée, la scène a monté. Et nous dire quand la scène va monter, la scène coulait. C'est-à-dire l'émission, tu vois, c'était comme ça. Et là, nous faisons la première émission, la scène montée, nous comptons. Deuxième émission, la scène montée, nous comptons même. Troisième émission, la scène montée, nous Marie content. Nous disons, si nous finissons, nous pas besoin de gagner, non, nous finissons gagner un concours là. Finalement, nous arrivons, nous retournons au final. Et final avec ces gars, la vie a dé. Nous sommes ça. Et là, nous reste trois groupes là, au final. Tout du monde, les autres affaires, les autres de la lumière. Et là, surprise, nous sommes premiers. Et de là, nous gardons ça à groupe Bananas là. Nous commençons à faire un concert pour la télévision même. Et après, voilà. Après, l'histoire continue. Baba, l'une vie n'est pas pour nous amuser, ouais.
Peut-être là, tu peux partager avec nous ton meilleur souvenir justement de Whisky Peu. Le meilleur souvenir qui me garde de ça, c'est que de là, tu dis en public, il y a trois groupes ensemble avec toi et tu es content. Il y a des gens qui disent, ouais, bon, on arrive au final, mais nous peut attendre, nous les gars peuvent partir, nous peut trembler. Et quand Jesse Garonne, c'était un grand chanteur rock en France, c'était lui qui anime l'émission. Quand il annonce le groupe Bananas vainqueur, et là, tout le monde était souhaité monter, descendre, c'était la joie terrible. Et ça, c'est, pour moi, c'est un super souvenir. Après ce beau concours-là, de tout y gagnant, nous avons dit qu'il était quand même très fort. Peut-être que tu as partagé avec nous un bon souvenir, qui est la scène, qui est le festival, qui a eu l'occasion de faire après ça. Déjà, on a un grand souvenir encore qui m'a pas pour inoubliable. C'est avec Denis Azo. Pour moi, ça, c'est un des plus grands souvenirs de mon vie. Avec, c'est-à-dire là, de joindre tout ça, un gros artiste. Tu vois, c'était Fête de la musique le 21, et de joindre tout ça, un gros artiste. Johnny Hallyday, Yannick Noah, Philippe Laville, Jimmy Somerville, tout un gros qui est là dans la France ou même l'Europe. Et même à cette époque, il y avait une fille, j'ai oublié le nom, que Michael Jackson produit. Et quand tu te retrouves dans la scène comme ça, franchement, ça m'a souvenir, tu ne peux pas oublier. Et quand tu as Philippe Laville, tu peux venir sans ces gars, tu ne peux pas oublier. C'est quelque chose. En tant qu'ambassadeur Sega Maurice en France, nous avons dit à Jean-François, tant qu'il permet ce combat de la flamme, Sega brillant, tous les cœurs. Tu as dit à nous, c'est quoi le response du Sega Maurice avec les Français? Mais au fait, c'est que moi, je trouvais Sega quand nous passions en France. Moi, je me disais bien en France ou en Belgique ou en Italie ou l'Europe, je veux dire. Ces gars passent super bien parce qu'ils sont étrangers, contents ces gars. Quand je tente ces gars, je danse sur toi. Et ben français, pareil, quand je tente ces gars. Déjà, quand je tente tourner, de trouver ben français, là, je peux danser, là, et ça, c'est que je suis content, ça. Bon, ben texte. Au fait, moi, bien sentimental aussi, moi. Souvent, moi, un texte sur de l'amour. Et pourquoi le meilleur moment pour te qu'un texte, c'est le matin. Dès qu'il te vers 6h du matin, ça, c'est le meilleur moment pour te gagner une inspiration. C'est pas veut dire que tu finis le texte net, mais tu gagnes un thème. Et pourquoi ça, c'est plus souvent le moment d'affaires qui commence le matin. Et après, moi, j'ai un gros défaut aussi. Souvent, je gagne un bout de texte. Pour moi, bon, c'est un défaut. Hein. C'est... Je gagne un bout de texte. Je ne peux pas gagner. Je dis, bon Dieu, fin crée nous tout pour vivre ici, là, même la terre. Je gagne ce bout-là. Là. Qui me fait? Je prends un bout-là. Je finis faire sur la musique. Je finis faire sur l'instru. Mais je ne peux pas finir le texte. Je ne peux pas finir sur continuer. Et alors, je finis rentrer sur Dieu. Pose à voix, c'est là que m'appelle l'écrire à la fin. C'est là que des fois, mon besoin arrêter le studio pour pas finir la fin. Et ça, c'est un défaut, c'est qui m'a toujours comme ça. Là, mon dernier album, Jelly, mon gagne Ori, Gowin, c'est la tête dans Evologique, qui nous travaille ça album-là ensemble. Même côté musical, elle a ban recherche qui m'ont fait à côté lui et après mon texte nous terminons ensemble là mon album peut sortir peut-être la semaine prochaine, je dis bien peut-être la semaine prochaine parce que tout ne finit près et après nous peut faire un peu la scène à Maurice et depuis à Tannes, comment dire qui public Maurice a découvert Jean-François Antoine un peu plus. Hey girl, Seigneur, ma balance moi. Les gars dans mon sweat comme au bad. Les gars dans mon sweat comme au bad. Si moi tu es né roi, moi l'aurai.
Kinateka, Maurice Kavekou, peut-être qu'on raconte nous sa transmission de musique dans la famille. Mais déjà, c'est que tout le temps, je suis content qu'il fait un peu Maurice. Et là, cette année, nous prenons, enfin, fin décembre 2019, nous prenons une décision de Maurice pour nous capables faire essayer de faire public Maurice un peu et plus. Pour lui terminer son album avec le groupe Ravana, à la Ramanisum. C'est un projet qui nous préparait pour ça en 2020. Mais et après, nous étions contents tout le temps pour faire un son avec Cynthia. Cynthia. Et finalement, ça a réalisé. Et ça a fait la paix morcée. Pour une place que tu rentres dans Maurice de Patanza. Même en France, ça a fait la paix passée. Et Yerland a fait la paix passée et je suis bien content, je suis fier. Pendant l'autre mot, je suis fier pour lui. Et c'est important pour vous d'accompagner, de soutenir, d'être tout le temps à ses côtés? Oui, au fait, il est important pour moi, mais c'est Tay qui est content comme je lui. Parce que même la fois dernière, la scène et l'univers que d'autres,
les mêmes moments dans l'île à Seine. Et en France, c'est aussi pareil. Alors, bon, quand il demande moi ça, des femmes me disent non. Mais il est content parce que nous très, très familial, très proche. Et nos ancêtres fait ça aussi. Peut-être que raconte-nous l'histoire de nos ancêtres et est-ce qu'il y peut aussi sur ton album? Texas vient sortir, mes ancêtres viennent sortir dans mon petit studio en France. Et avec la guitare, mon drapé, nous redapé, mon thème. Et finalement, mon fini faire sur l'enregistrement avec le groupe Havana. Et quand mon rentre en France, mon travail, retravaille mes ancêtres. Et au fait, c'est une affaire qui me des affaires à un bon moment. Mais après, comme je travaille avec Ravana, je remets mon album. Et mes ancêtres, ce qui fait, je raconte l'histoire qui, depuis mes enfants, je suis content, je joue la guitare, je suis content dans ce Mosega, je suis content sans Mosega. Même te dire, moi, tu es là, je suis content, Mosega. Et au fait, c'est l'histoire qui, pour moi, je prends ici, je l'amène en France. C'est-à-dire, quand je suis prêté, je joue Mosega. Même
mon conseil est toujours pareil. Mon conseil, c'est que moi, je suis content de la musique. Je suis content de l'instruire que le musicien joue. Et ça, c'est un conseil qui me donne tout le monde, tout le monde. Essayez de comprendre la guitare, essayez de comprendre un clavier, essayez de comprendre ça. Et là, nous avons une culture, nous avons une affaire. Parce que dans Maurice, et dans les affaires qui m'ont remarqué, nous avons beaucoup, nous avons un peuple, quand nous avons 1,2 million, 1,3 million humains, c'est que nous avons beaucoup de monde qui, quand on connaît ces gars, ils ne m'ont pas écouté ces gars, moi. Ah ben pour moi, ce qui m'a dit, je te demande du monde là, tu n'as pas écouté ces gars, mais nous qui le tirent, nous pas nés dans l'Amérique, nous pas nés dans la Jamaïque, nous pas nés dans l'Inde, nous pas nés pas n'importe où, nous Mauriciens, nous bien fiers de Mauriciens, et nous qui le tirent, c'est ces gars. Okay? Et maintenant, ce qui ne pas comprend ça, ben, il n'est pas Mauricien. Il est quand même Mauricien, oui, mais il est pas une addition, comment dire, nous, vrais Mauriciens. Parce qu'il te trouvait tout ce qu'il nous fait depuis X années, c'est grâce à Amélie Mauro. Et c'est le Sega qui arrive à traverser les frontières pour Sega, faire oui. Découvrir. Et là, nous ne pouvons pas dire oui, nous faire Sega, nous faire reggae. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas nous d'origine. Ça. Ça, c'est nous peut imiter ça. Tu comprends? Nous peut imiter. Alors, moi, ce qui me dit, mon conseil, mon ancien, et. Ban qui fait Sega. Mon conseil, je m'en sors à fond. D'ailleurs, donne un exemple, toi-même. Toujours, je commence, moi aussi, petit à petit. Ah ben oui, moi, mon fille, comme autant de toi, comme autant de ban et voilà, mon papa, trop flatte-toi devant toi, mais mon fille, mon guette-toi. Ben merci, ça fait plaisir, venir de ban du monde qui expérience aussi. C'est ça? Oui, vous y plaisirez. Alors aujourd'hui, nous, que Jean-François, bien sûr, avant de finir l'émission, vous proposez un petit live acoustique avec Jean-François Tanet sur ce band tube qui va venir. L'amour qui me tient pour toi, Zami, te viens trouver, te viens laisse-moi te viens aller. Depuis que te viens aller, Zami, te viens tourner, pour connaître comment moi peux vivre, si moi peux souffrir. Les dogs qui te viennent aller, mon téléphone doit te n'a pas répondre, te viennent finir, mette-moi de côté. Les dogs qui te viennent aller, mon téléphone doit te n'a pas répondre, te viennent finir, choisir de s'y mettre, laisse-moi tranquille là, laisse-moi vivre mon la vie, n'a pas dérange-moi toi, laisse-moi tranquille là. Laisse-moi vivre mon la vie dans sincérité.